Et changer quelque chose. Et puis là, je sais pas ce qu'on va faire. On a le. Des fois, je peux sauter des repas parce que ça sert à rien de manger. Parce que c'est. Je perds mon temps et. J'ai plus aucune envie, en fait. Avant, je prenais du plaisir à manger. Plein de plats, plein de petites friandises et tout ça. Et puis, puis maintenant, bah. Plus aucune envie. Je me resserre pas à table le midi, le soir. Je mange mon plat. Et donc ça entraînait aussi, j'ai perdu 1,5 kg, donc c'est un peu énervant. Hein. Oui, pas de soucis. Ah oui. Là, vous sentez quelque chose. Un tout petit peu, c'est loin. Très bien, donc même si c'est petit, c'est bien. Non. Donc, alors, ce qu'on a vu, donc, c'était le jasmin en premier. Ensuite, donc, il y avait de la rose. Et là où vous avez réagi, c'était notamment l'amande. D'accord. L'amande, c'est une odeur qui vous a parlé. Vous avez tout de suite senti, tout de suite trouvé. Okay. Donc, rien que par la stimulation de l'olfaction et par des kits de rééducation olfactive en autonomie, on a déjà une amélioration de l'olfaction. Après, ce qu'on espère, c'est améliorer ces prises en charge pour les rendre plus complètes et aussi pouvoir récupérer justement toutes ces nuances et aussi ces souvenirs de ces goûts et de ces odeurs qui sont souvent très reliés. Okay. Mais là, sur des éléments visuels, donc pas sur des odorants, où tu voyais des images qui étaient plus ou moins proches. Ce flou. Ben oui, là, vous découvrez à fur et à mesure. Quoi. Et pour l'instant. Je sors en l'air, je pense. Je vais courir et je me défoule et je pense que je fais une bonne fête avec ma famille. Voilà. J'organise une bonne fête avec un bon repas. Et voilà. Pas de carbonara. Pas de carbonara. Suivi par courir dans les bois et sentir les arbres. Voilà, exactement. Et en dessert, un flan coco. Voilà. Il a tout préparé dans la... J'ai tout préparé. C'est ça. Allez. Vas-y, vas-y. Mais après, j'avais donné ton portable initialement. J'ai reçu un recevoir un message. Il m'a dit qu'elle s'était installée en salle d'air. Hop. Je vous fais tourner du coup pour que vous puissiez par le nez tranquillement. Donc on va pouvoir aller jeter un œil. En particulier de ce côté qui ne présente. Aucun obstacle particulier. On met ça, hop, voilà, bandeau sur les yeux. Bon, je sais que vous n'allez pas tricher, mais c'est juste pour le principe. Vous pouvez poser la tête en arrière. Deuxième. Troisième. Troisième.
toute manière, je vous reconvoquerai et on refera l'intégralité des tests avec ma collègue, avec moi. Bah, des fois, je me dis, bon, bah, peut-être aujourd'hui, c'est la bonne. Et je vais essayer de manger quelque chose qui me fait envie. Je mange, mais j'ai toujours pas de goût, donc je suis déçue. Ouais, franchement, c'est compliqué. On se dit, bon, un petit rhume, on perd le goût parce qu'on a le débouché, etc., ça va. Mais là, ça fait 3 mois et ça commence à faire très long. Et donc là, vous avez déjà consulté qui avant de vous laisser alors? C'était très compliqué parce que je voulais faire les choses, mais j'y arrivais pas. Je me levais le matin. Ça fait 2 semaines que je peux remonter les escaliers normalement parce que sinon, il fallait que je m'arrête à toutes les 3 marches. J'en pouvais plus. Donc, je ne peux plus faire de sport. Alors, le moral. J'ai plus de goût, le moral. J'ai plus d'odorat, le moral. Donc, c'est compliqué. Franchement, le post-Covid, je pense que c'est le plus compliqué. Ça, vous allez pouvoir continuer la consultation. Aujourd'hui, dans le commerce. C'est des troubles qui vont probablement se corriger avec la rééducation olfactive et la réapparition de ces sensations olfactives. Mais pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Donc, je ne suis pas inquiet parce qu'on a vu que c'était une jeune femme pleine de vie. Mais je reste quand même concentré sur ce symptôme dont on ne connaît pas vraiment. Et ce trouble olfactif de manière plus générale dans le Covid, dont on ne connaît pas encore véritablement les conséquences.